La commune d'Ayen se trouve au centre d'un réseau important de grands bis. Ici, nous sommes sur le bis d'Ayen et qui traverse toute la contrée sur 15 km. C'est un bis de grande dimension, non seulement par sa longueur, mais aussi par le débit. Il roule plus de 400 litres seconde. Et il y a un réseau de distribution de l'eau qui est formidable, qui se distribue sur toute la commune pour arroser jusqu'à un temps relativement récent, surtout les prairies. Mais maintenant, il irrigue également une bonne partie du vignoble. Vous avez vu ici que le bis passe dans ces chaînons métalliques. Eh bien, ça, c'est parce qu'ici, le terrain était très instable. Et là, vers 1930, ils ont construit ces chaînons métalliques. Et c'est formidable la possibilité qu'il y a de régler. Vous voyez, dessous, il y a des côtes. Comme ça, on peut régler la hauteur en mettant des petites cales. On règle la hauteur pour que le niveau de l'eau se maintienne toujours régulièrement. Le grand bis d'Ayen qui passe à proximité de la station d'Anzère, juste en contrebas, est évidemment très fréquenté par les touristes durant l'été. Et les touristes ne viennent pas seulement pour se promener, mais aussi pour découvrir les vestiges très intéressants qu'on a de vieilles constructions tout au long du parcours. Vous voyez là-bas ce passage dans les rochers. Il a été construit au 15e siècle, en même temps que le bis. Et autrefois, les gens passaient là-dessus et le bis, l'eau passait là-dessus. Mais ce qui était le plus difficile, c'était pour le construire, pour percer le rocher et placer les poutres. Vous vous rendez compte, comme ça, ça devait être compliqué. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a maintenant, pas de cordes, rien. Il y a eu probablement des accidents et probablement des morts. Alors, on a construit ce tunnel en 1831 parce qu'à l'extérieur, ce passage que vous avez vu dans les rochers, là, c'était vraiment trop difficile, trop de risques d'accident. Et quand on a été capable, au point de vue technique, de construire, de faire un tunnel, ben on l'a creusé. Alors, depuis lors, on passe à l'intérieur du tunnel. En fait, ils ont creusé comment? Avec une pelle ou de la dynamite? Non, pas avec ni l'un ni l'autre. La dynamite n'existait pas encore. On en a fait avec de l'explosif, mais c'était de la poudre noire.